Et hop là, bienvenue sur la stream. Alors, au programme, ce temps de midi, bah la fin de Hop, je pense. Enfin, la fin, j'en sais rien. En tout cas, la suite, c'est sûr. Du coup, hier, j'ai vraiment bien avancé. J'ai fait toute la zone aquatique, j'ai fait toute la zone à gauche de la carte également. Et en gros, là, ce qui m'embête un peu, le problème que j'avais hier, en fait, c'est que j'ai plus de balises pour me dire voilà ou voilà, etc. Du coup, ce que je pense qu'il faut que je fasse là, c'est terminer de virer la corruption. Il me reste cette zone ici. Et après ça, bon, en fait, je sais plus si c'est la fin du jeu ou s'il y aura d'autres choses à faire. Honnêtement, je ne sais plus du tout. Donc déjà, je vais commencer par retourner ici pour aller virer la corruption. Et puis après, on verra. Alors, sachant que là, c'est la première fin. Il y a une vraie fin, enfin il y a une fin différente quand tu. Non, je peux aller par là. Il y a une fin différente en gros quand tu upgrades ton arme à fond. Parce que l'arme en fait elle est un peu en forme de clé et ça permet d'accéder à. Je sais plus, à trois zones qui racontent un peu l'histoire du jeu. Putain, c'est dommage, il manque juste un d'énergie. On peut plus, j'aurais eu trois barres. Hop. J'ai rien à faire pour l'instant, de toute façon. Après, ça se trouve, je vais faire ça, et en fait, en virant la corruption, je vais avoir accès à d'autres choses. C'est juste que je me rappelle plus. Hein. Alors là, faut que j'aille où? Faut que j'aille. Oh. Peut-être dû sauter à droite en fait. Tu joues trop, je devrais le perdre. Ouais, ça là, je bossais ce matin. J'ai bossé ce matin, du coup, j'aurais joué, c'est bon. En plus, le truc, c'est que là, j'ai un gros taf à terminer pour vendredi, donc clairement, je peux pas. C'est fait pour dormir, ouais. Heureusement, je suis payé pour bosser quand même le matin. J'ai où, là? Ah. Ah cool, les points de vie. Enfin, des points de vie, oui et non, parce que je crois. Ah si, j'ai peut-être un demi-fragment déjà là. Ah ouais, point de vie en plus, impeccable. Et puis après, comme je disais, c'est compliqué aujourd'hui parce que. Aujourd'hui, j'ai une seule chose, enfin, j'ai uniquement. Enfin, j'ai trop envie de jouer à Slurmancer qui sort ce soir à 19h. Donc j'ai du mal à me concentrer pour bosser. Et vu que j'ai joué comme un débile ce soir à Slurmancer, demain je vais être éclaté, quoi. Mais bon, tant pis. Hein. Pas avec. Hein. Ouais, j'ai un truc potentiellement activé là. Alors ça fait quoi ça? Ça fait que ça va me permettre d'aller dans la zone à droite que je veux, où je veux enlever la corruption, donc ça c'est bon. Et
bien ce qu'il fallait que je fasse. Ouais, mais ça, c'est. J'ai accès ou pas? Ah oui, parce que j'ai déjà level up une fois l'arme, maintenant que je peux. Donc, ouais, donc ça, ce que je disais, ça, c'est vraiment le. En fait, ça, c'est pour avoir la fin. Pour avoir la véritable fin. En gros, il faut améliorer son arme au max. Il a accès à plusieurs zones. Et chaque zone, en fait, ça va raconter un petit peu l'histoire du jeu. Pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé, qui on est, etc., etc. Comme j'ai accès à ça, je vais y faire un tour. Hein. Je vais faire un. Par contre. Alors, sachant que le truc, vous allez voir, hein, c'est. Enfin, de mémoire, c'était super cryptique hein, quand même. Hein, c'est. En gros, on te raconte l'histoire, mais avec des. Voilà. Avec des lumières qui clignotent, quoi. Donc. Il me semble que c'est vraiment que pour la véritable fin le truc là. Je crois pas que c'est d'autre utilité que c'est de te conter un petit peu l'histoire du jeu. Bon bah par contre c'est super, mais c'était pas que ça que je voulais faire en vrai. Moi je voulais surtout virer la corruption. En fait du coup. Merde, je suis pas allé là-haut. La corruption. Ouh, la corruption. Ah, là, il y en a. Alors, déjà, il faut que je trouve où est la petite bestiole qui est enfermée. Ah, ok, là-haut. Bien joué. J'ai plus l'énergie. Ah, c'est en train de m'agacer. C'est super chiant en fait. Je sais jamais si s'il faut que je fasse flèche du haut ou. Mais putain, mais c'est pas possible! Pardon. Je mets de quoi comme direction pour monter là? C'est de ma gueule le jeu là. Ok, donc voilà, donc là j'ai libéré la bestiole, sachant qu'il faut que je l'amène à l'œuf qu'on voit, l'espèce d'œuf qu'on voit au fond. Est-ce qu'il y a un truc par là? Là je pense qu'il y a peut-être un raccourci à débloquer, non? Ou pas. Oh! Mais quel connard! Et je vais encore galérer. Non, c'est bon. Ah, j'aurais été un petit peu aigri de devoir. De devoir me retaper le truc.
Bonjour. Ouais, du coup, c'est là qu'on va voir si, si j'ai encore des trucs à faire après la corruption ou pas. Ah voilà, maintenant il faut que je retourne ici. Ok. Ok, sachant que je suis là. Sachant que j'ai vu que j'avais un petit. Oups là, pas par là. Sauf que j'avais vu un papillon à collecter par ici là. Voilà. Tant qu'à faire, hein, vu que je l'ai vu, je peux faire à 100%, mais bon, quand on voit les trucs, autant les récupérer. Hein. Donc, je vais prendre le téléporte qui est au-dessus là, et on va. Si je peux passer par là. Oh, ça passe. Ok, allez hop, tac. On prend le téléporteur. Du coup, bah ici, impeccable. Juste à côté. Et on va aller voir ce qui se passe si j'y vais maintenant. Alors par contre, faut que je rentre dans le truc ou pas? Non, je crois pas que j'ai besoin de rentrer dedans. Hein. Je crois qu'il faut que je monte sur la structure, il me semble plutôt. Il me semble. Y a rien à faire. Je me rappelle vraiment plus de la fin en fait. Ah oui, bah voilà, là c'est la plante qu'on va aller voir. Salut. C'est bon, j'ai tout enlevé la corruption. Ah, ok, donc là j'ai un truc à aller récupérer là-bas. Ok, bah très bien. Ça, parce que là j'ai pas encore ramené. Comment il manque un fragment ouais. Il manque un fragment énergétique, effectivement. Pense que c'est ce qu'il veut que je lui ramène. Sachant qu'il y a un téléporte. Ah là. Ici, bah ici, très bien, je suis à côté. On va aller là, puis on va aller voir le gros robot, là. Yo, Clavinou! Par contre, c'est bizarre que je n'ai pas récupéré le fragment sur le gros robot. Donc là, en fait, j'ai une orbe d'énergie à choper
Ah non, mais elle est déjà chopée, ça, lui. Pourquoi je l'ai pas récupéré? Ah bah non, je suis con, c'est n'importe quoi, en fait. C'est maintenant que... C'est là que je les place, en fait. Encore j'ai en wishlist. Ah, il est vieux, ce jeu. Il est vieux, il est 2017. Hein. Et en plus, il était gratos sur Epic Game Store, hein. Mais sinon, ce jeu, il est très cool, quoi. Ouais, il est vieux, entre guillemets, quoi, mais... Ça fait 4 ans, quand même. 4 ans en jeu vidéo, c'est énorme. Ah oui, ça y est, je me rappelle un peu de la fin. Ouais, effectivement, il y a toute la fin, d'accord. Ouais, faut lutter contre la corruption, contre les envahisseurs. Déjà en wishlist. Ah bah tu vois. Et en tout cas, franchement, si t'as l'occasion de le faire, ce jeu, moi, je te le conseille parce qu'il est très très plaisant. Pour les gens qui aiment bien se liser, hein, qui aiment bien aventure, exploration, puzzle, c'est très très cool. Légende of Kai, ça me dit quelque chose, non? Allez, on pourrait aller. Bah là, par contre, c'est le boss final. Hein. Un Zelda-like avec un chat, d'accord. Bien, d'ailleurs, il y a un téléport ici. Alors, le téléport, il est là, en gros, il est là pour si jamais vous voulez la vraie fin. Parce que. Bah, parce que là, vu que je suis allé un petit peu en ligne droite, j'ai pas du tout tout débloqué. Donc, on a. Voilà. Bonjour. Donc là, en fait, on se rend compte qu'en fait, bah, nous ressemblons vachement comme les bonhommes qu'il y avait dans ce vaisseau là. Là, c'est nos ancêtres. Et en fait, du coup, ils ont été touchés par la corruption. Et Micheline, on l'a vu quelques fois, mais... Elle va absorber toute ma corruption.
on a le choix, soit on peut lui tenir la main, soit on peut l'attaquer, je crois. Il semble. Et du coup, j'avais hésité à terminer le. Mais je vais faire l'autre fin, normalement je vais pouvoir. J'avais hésité à terminer hier soir, mais il était déjà un peu tard. Et je sais plus. Je me rappelais plus combien il restait de temps en fait avant la fin du jeu. Du coup, je sais pas trop, mais finalement il restait une petite demi-heure. Donc j'aurais pu. Après, c'est pas bien grave. Hein. Et ça fait que finalement j'ai une autre idée de quoi streamer pendant le temps de midi. Déjà, je vais faire l'autre fin. Et après, il y a un jeu en Kickstarter qui a l'air vraiment cool. Donc j'irai télécharger la démo pour l'essayer. Ouais, ouais, t'as raté la fin, bah nickel. Bah là, c'était une des deux fins. Enfin, il y a plusieurs fins en fait. Donc là, reviens dans 10 minutes, Clevinou. Parce que là, du coup, je vais faire l'autre fin. Ok, je me casse. Reviens dans 10 minutes, par contre, je vais tester la démo dans le jeu en Kickstarter pour continuer à alimenter ta wishlist. Je vais retrouver le nom, tu l'as tout de suite. Astral Ascent ou un truc comme ça. Ouais, ça, Astral Ascent. Et du coup, c'est un moment que je me dis, il serait cool que je fasse. Que je teste la démo, donc là, je vais en profiter. Ça a l'air vraiment super sympa. Après, je pense pas que je vais backer parce que. En gros, c'est pas prévu avant au moins 2022, voilà, mais. 2023, je sais plus. Ouais, c'est vrai qu'ils ont présenté pas mal le projet pendant l'event, toi.
Eh bien, ce combat-là, en fait. Ah non, mais faut s'en taper tout! Oh non! Oh non, vous déconnez, là! Ah, ouf, putain, j'ai eu peur. Quoi? Mais j'étais derrière elle, mais sérieusement. Ah, mais il y a des points de vie là. Ça, j'ai pas vu. Ah, ah, je suis bloqué, je suis bloqué, laissez-moi passer. Oh, genre il m'a touché au bout du monde. Oh mais non, mais putain, mais... Mais du coup je suis mort. Et donc c'est pas bon. Double kill. Ah. Oh, le combat là il pourrait être beaucoup plus... Mais du coup si ça a quand même compté. Le combat là, il aurait pu être plus simple si j'ai. Parce qu'en fait, il y a plein de points de vie que j'ai pas. Voilà. Donc je vais prendre ma place au conseil. Il y a plein de points de vie que j'aurais pu récupérer en plus. Plein de choses. Et du coup, là, toutes les habitants de qui ressortent. S'il n'y a plus de corruption. Du coup, je suis même pas sûr qu'il y ait une autre fin quand t'es à 100%. C'est pas certain en fait. Bon, en tout cas, voilà. Ah bah, je suis très content de l'avoir refait. Ça aura même pris moins de temps que ce que je pensais, hein, parce que j'ai fait premier stream, j'ai fait quoi? J'ai dû faire 3 heures, j'ai dû faire. Ouais, j'ai dû faire un peu moins de 8 heures, je pense, pour tout faire. Bon, sachant qu'il y avait pas mal de choses dont je me rappelais quand même. Et puis, encore une fois, hein, j'ai pas du tout cherché le 100%, hein, donc.
Évidemment, si tu veux commencer à fouiller un petit peu pour avoir plus de points de vie, plus d'énergie, les papillons, etc., il y a vraiment moins de quoi faire. Mais en tout cas, ouais, vraiment, vraiment super sympa, je suis content d'avoir refait l'aventure. Du coup, j'attends la fin du générique, je vais couper, je vais télécharger la démo d'Astralasen, du coup. Pas un robot. Ok.